un modèle bustier, mais qui tient au niveau de la poitrine, d'accord. Une ouverture d'œuvre pour garder toujours ton côté sexy avec le piercing, d'accord. Qui affine au niveau de la taille et qui te donne un effet guitare, d'accord. Et derrière, vous voyez, ça tient super bien les fesses. Aurélie a la morphologie de la plupart des femmes aux Antilles et morphologie en A. Donc effectivement, elle a une culotte de cheval très développée en bas. Donc à ce moment-là, on va attirer le regard vers le haut avec des imprimés, des volants, tout ce qui est asymétrie, tout ce qui est géométrie. Tu peux donner un modèle un petit peu plus sexy au niveau des bras. Tu as des ouvertures, d'accord, de chaque côté, mais qui est toujours gainant, d'accord. Malgré que ce soit ouvert, on ne voit pas de graisse qui dépasse, on ne voit pas de bourrelet. Il faut faire attention par contre quand elle met un bikini de bien choisir la culotte, que ce soit vraiment une culotte qui maintienne bien le fessier. Elle peut aussi se permettre les petits bikinis avec ficelle. Ça veut dire un modèle qui monte assez haut sur les côtés, en V, comme là, tu vois. Avec l'effet optique, encore une fois, on ne voit pas. D'accord. Au niveau de la poitrine, même chose, ça soutient au niveau du cou. Parce que ça joue beaucoup, hein. Ouais. Les tissus comme ça, il faut toujours. Ouais. Parce qu'il y a des fois, on te dit, ah non, ça va pas aller, j'ai un gros ventre, mais non. Ouais. Par rapport à ça, tu vois, tu as un effet optique. Effectivement, tu crois pas ta silhouette. D'accord. Alors, si vous avez une silhouette comme vous voulez, une silhouette en A, n'hésitez pas à prendre des maillots une pièce et surtout à toujours choisir des maillots avec des imprimés, surtout au niveau du haut. Je t'ai donné un modèle qui gagne. D'accord, pied droite, parce que c'est un maillot de gainant. Ok, bustier, je t'ai donné les bretelles, parce que tu as une forte poitrine. Je ne mets pas que ça prend, je ne mets pas que tu. Donc là, tu peux faire ce que tu veux, ça ne bouge pas. Autant il y a beaucoup de poitrine, toujours bien choisir le soutien en haut, qui peigne bien le sein, la forme du sein. C'est bien les décolletés en V qui les mettent en valeur. Et choisir des graphismes aussi au niveau du maillot, mais toujours à la bonne taille. Balade en mer, excursion plus précisément entre le François et le Robert, la visite des îlets. Ben là, je fais mes clients suivre la course. Thank you.
pas l'after. Donc c'est une bonne ambiance. Tout en sachant que j'étais ancien yoleur de la Yole Rosette. Donc du coup, voilà, les gens profitent mieux. Je leur explique un peu la course et tout. Donc voilà. Sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Matt Excursion Nautique ou Instagram ainsi que Snapchat.